final loser bracket de ce tournoi Soul Calibur 5 en solo entre Saito ici présent et Sakon. Je ne les ai pas de grâce, en tout cas c'est pas grave. Je vais essayer de m'accrocher le plus possible. Je rappelle que je suis avec une PS Vita, qu'elle n'a pas de zoom. Hein, donc voilà. Donc Sakon qui vient éliminer Ran du tournoi. Et donc qui joue la finale loser bracket entre Saito, donc Saito qui va jouer Edge Master et Sakon qui va jouer Algol. Donc là pareil, hein, ces deux joueurs là étaient une bonne forme en dessous l'arena cette semaine. Voilà, là c'est parti dans le jeu. Alors donc là aussi c'est en 3-7, hein, c'est en 3. Hein. Ouais c'est en 3, hein, voilà. Là aussi c'est en 3-7. La choc évitée par Saito, qui nous parle de choc,
Out of the Ring s'appelle. Donc ça fait 2-0 hein, pour Saito. Hein. Elle est en 3 ou en 2? C'est en 3. Hein. Donc là, ça fait combien? Ça fait 2-0 là, Saito. Un partout. Hein. Voilà. Moi aussi, il faut que je suis. Un partout. Donc là, Edge Master, on le tira. Il s'est pris la chaise là, après le jeu. Là, on a le coup de AA qui est passé. Là, la choc. Est-ce que c'est pas une choc spéciale? Ça secoue en l'eau. Alors là, Manet, il me l'a fait. Alors, je suis tout invisible. Je ne le connaissais pas. Enfin, je le connaissais de vue, mais je ne savais pas que voilà, ça passait autant. Et encore, là, il n'a pas de barre de gravette. Hein. C'est complètement utilisé ce combo. Déjà, pour l'instant, il mène Saito. Il a tourné en multi. Il a tourné sa garde dessus. Donc voilà, c'est Saito qui a une très bonne garde. Hein, son problème, ce serait plutôt l'attaque de ce que je vois. Oh là là, là, ça enlève grave, là. Ça enlève grave, là. Il avait quand même de la vie, là, Saito. Et ouais, je disais que Saito, globalement, a une bonne garde. Hein. Il se protège bien. Je dis ça pour qu'il soit bourré comme ça, mais voilà. Il a une bonne garde, c'est plutôt en attaque. Il y a quelque chose qui ne va pas, là. Et là, il fait un geste de la main. Est-ce que c'est pas fait? Je n'ai pas compris là. Oh là là, ils se font la chaise d'entrée de jeu, ça c'est quand vous reculez un peu. Voilà, oh là 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 là. Et là voilà, ça c'est le satan de l'autre soir, là, de mercredi dernier. Hein, il a fait un coup de dévastateur, et encore il n'a pas bien fini. Là, il a le choc, là ça a été aussi plus en courant, il a là-dessous, là, c'est le choc. Allez, là, le coup en haut qui n'a pas passé. Saito qui a donné le bâton pour se faire battre là. Ça fait 2-1 pour Saton. Hein. 2-1 pour Saton. Là Saito qui a complètement donné le bâton pour se faire battre en faisant ce niveau. Ça c'est à mon niveau qu'on fait ça assez fort. Ah. Allez, le launcher de Saito, le but pas suspect, il se fait des dégâts normal, voilà, surtout. Donc j'ai l'impression finalement là je vois peut-être un peu les effets du patch. J'ai l'impression que les dégâts sont moins monstrueux qu'avant, hein, je sais pas trop. Peut-être que là je suis en train de raconter de la merde là, mais je suis moins choqué par les dégâts qu'avant, j'ai l'impression. Seul l'ami en me dira si c'est bon ou pas. Hein. Voilà, donc Saito qui a gagné ce premier match en mode. Mitsurugi, là il est en mode sprint, voilà, feature, la choc basse, donc là Saton qui bourre, hein. Faut qu'il fasse attention, parce que surtout contre Siegfried, faut pas trop bourrer, parce qu'en 3B ça sort très vite, et là ce coup encore, Saito qui meurt avec ce coup qui vient de nous boucler l'écran, et puis se prend ça, pourquoi? Donc là en mode soin, c'est bien baissé, là, ça peut être coupé de condition, voilà. Allez, là il charge le Aïn. Là, Saton ne sait pas quoi avoir. Donc il lui a mis un ouvert pour le coup. Je ne sais même pas comment ça peut se faire cette attaque-là. Il y a beaucoup de coups que j'ignore quand on était dans ce calibre. Donc veuillez pardonner tous les commentaires un petit peu de tiers. On va faire avec la barre du Saito qui pilote les deux joueurs qui sont à égalité. Là, c'est plus petit, on essaie de pas les mettre. Pourquoi il se prend ça à la tête? Parce que je disais qu'il avait une bonne garde, là il se prend des coups. Voilà. Allez, ça fait du coup. On est à 1. Ça donne pas de match. Ça donne pas de match. Attention, là ça va être alarmé. Et là, il se prend ce même chose. Là, ça y est. Voilà. Là, ça comme aussi là, il s'énerve parce qu'il a lutté, parce qu'il voulait faire, parce que là, il sait que c'est très chaud, et là, cette serveur qui passe, et ouais, bon, les dégâts sont globalement là. Allez, c'est le moment pour ça, il faut le revenir, et c'est le moment aussi pour ça. J'ai là, ça comme qui se prend la tête, là, qui se dit qu'il a merdé, ce qui se prend cette choc, et ça fait deux minutes partout. Saito qui a mis là, Saton qui a mal joué. Donc, allez, là, Saton. Par contre c'est très chaud, là vous voyez c'est assez statique là le jeu là, ça a été capté sur un finisher, tout bouclier, là il a eu une barbette, chop,
Hockey, Masu Kubuki, qu'est-ce qu'il fait là, Masu Kubuki, il faut faire attention, là, Saito, il a perdu le match d'avant en faisant ça, en faisant ce genre de choses. Là, il se prend un gros combo de la part de Sakon, on ne voit pas beaucoup faire ça. Hein. C'est la Saito. Attention, et super bien joué de la part de Sakon avec cet auto-GI qui scelle ce combat. Hein. Donc Sakon qui gagne la finale, loser bracket, donc la grande finale va se jouer entre ces deux hommes-là, Sakon et Tina. Voilà. Saito quand même qui a des mérités, mais il y a eu beaucoup d'erreurs, je pense.